Saint, bonjour, bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et professeur associé à l'Université Paris 12. Alors, vous avez tenu un atelier à l'occasion de ce 8e congrès régional de la profession. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots, s'il vous plaît ? D'abord, je remercie le président de Parseille, Lionel Canesi, qui a une fois de plus eu l'amabilité de m'inviter à ces journées que j'aime bien. Il avait placé son congrès sous le signe de l'humain et du numérique. Il m'a donc demandé de m'interroger sur le numérique dans le contrôle fiscal. J'étais donc numérique et contrôle fiscal, ce qui montre bien d'ailleurs que dans le contrôle fiscal, le caractère humain est un petit peu limité, voire même en voie de disparition. Et c'est la première partie de mon propos qui était de mettre en évidence que dans les nouvelles procédures de contrôle fiscal, eh bien, la présence sur place du vérificateur a en fait disparu pour que ce dernier travaille de son bureau avec des outils informatiques que sont le numérique. Et c'était la première partie de cette intervention qui montre que l'administration fiscale s'est bien adaptée à cette évolution numérique et que deux, les cabinets d'expertise comptable ont été des partenaires efficaces dans cette modernisation de l'administration. Et dans un second temps, on s'est interrogé sur un autre aspect du numérique, à savoir plutôt le côté administratif, en disant au fond, est-ce que la recherche de la fraude fiscale ne va pas être facilitée par le numérique, c'est-à-dire l'utilisation des données, comme cela a été exprimé précédemment. Et évidemment que la réponse était positive. On a même vu et traité que dans la loi de finances l'année dernière, eh bien, l'administration fiscale va pouvoir utiliser les informations qu'elle obtient des plateformes sur Internet. Et dans un troisième temps, un peu en forme de conclusion, on s'est interrogé sur le fait de savoir si le numérique n'était pas de nature à rendre plus facile l'accès à la loi fiscale, à la documentation fiscale ou encore avoir pour les professionnels que les experts comptables sont, une meilleure connaissance, une meilleure pratique de la fiscalité. Et sur ces questions, je crois qu'on a eu un accueil assez favorable. À mon avis, 500 personnes qui ont participé à ces ateliers et qui sont avec un sujet au cœur de leur préoccupation. Alors justement, parlons-en de cette thématique de ce 8e congrès, humain et numérique. Le numérique a profondément bouleversé la profession du chiffre. Est-ce que la profession continue d'être bouleversée par le digital ? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ce sont les entreprises qui ont mis d'abord le numérique au centre de leur modalité de gestion, que la profession s'est naturellement adaptée parce qu'il fallait retenir dans les PME les méthodes de comptables et informatiques qui sont dans les grandes entreprises, et que cette évolution de l'entreprise et des professionnels a conduit l'administration fiscale à devoir s'adapter elle aussi par ses procédures à cette nouvelle information. Et donc cette profession est tout à fait à même de poursuivre l'évolution et elle crée, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'administration de mon point de vue qui incite les professionnels à changer, c'est les professionnels qui ont changé et qui ont incité l'administration à modifier ses méthodes d'analyse, de contrôle. D'ailleurs, ce n'est pas que le contrôle, on a fait les deux contrôles, mais il y a aussi la déclaration, l'aspect déclaratif en ligne, l'aspect télépaiement et maintenant l'aspect contrôle fiscal, où on va pouvoir mettre des ordinateurs à la place des vérificateurs. C'est peut-être un peu rapide comme conclusion, mais c'est sans doute dans cette direction qu'on se dirige. C'est une crainte aussi de la part de ces professions-là, d'être remplacées ? Ah, mais elles ne seront pas remplacées. Enfin, de mon point de vue, c'est que tant que l'administration jouera le rôle de contrôle de la déclaration, ces professions ne seront pas remplacées. Au contraire, elles vont avoir une fiabilité de l'information qu'elles devront fournir à l'administration avec un contrôle beaucoup plus, permanent qu'il n'est aujourd'hui. On peut même imaginer que le contrôle fiscal des déclarations que vont déposer ces professionnels sera un contrôle annuel. On peut l'imaginer quand l'administration sera en état de pouvoir traiter les sujets. Mais l'administration ne veut pas substituer à l'aspect déclaratif. Donc, ils ont plutôt un avenir comme interlocuteur des administrations, un avenir assuré, de mon point de vue. Alors, ils peuvent avoir des craintes, mais ces craintes ne sont pas, pour l'heure, justifiées. Compte tenu de l'évolution rapide des choses, on peut se demander ce qui se passera dans 10 ou 15 ans, mais pour l'instant, raisonnons à mon délieu pour les quelques années qui sont devant nous et pour savoir comment ça va se passer. Parlons à présent du contexte actuel
On a traversé une crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est une crise économique aussi qui s'ensuit. Quel est votre état des lieux ? Bah écoutez, la première idée, c'est que la crise sanitaire, si on peut y échapper, c'est mieux. Autrement dit, le Covid me fait peur, comme il doit faire peur à beaucoup, d'autant plus que l'information qu'on nous donne est plutôt inquiétante. J'ai le sentiment, malgré tout, quand on réfléchit un peu, que c'est pas aussi dramatique que certains peuvent le dire. Maintenant, donc ça c'est le plan médical. J'ai le sentiment aussi que les hôpitaux se sont adaptés de près ce qu'on entend, que les médecins ont pris la mesure des choses. Donc je pense que sur le plan médical, ça devrait s'arranger par rapport à la période mars-avril. La question évidemment importante, c'est celle de l'économie. Alors il y a deux questions dans l'économie. Et la première question qui est celle des entreprises qui vont être en difficulté, il ne faut pas se cacher, la réalité, dans certains domaines, c'est déjà constaté. Et puis la deuxième question, c'est la réponse sociale à la crise économique. Mmh. Alors là, vous adressez pratiquement plus aux magistrats de la Cour des comptes, même honoraires, où là, il est relativement inquiet quand il voit la dépense publique s'accroître de jour après jour avec des décisions qui sont évidemment fort importantes. Alors, socialement, il faut dire que nous sommes dans un pays où la répartition des impositions de la ressource est largement redistribuée. Et dans cette période, elle est encore plus. Mm-hmm. Je ne vais pas faire l'état de tout ce que l'État fait pour le chômage partiel. J'ai cru comprendre que c'était reporté jusqu'à la fin de l'été prochain. Les prêts aux entreprises, les enfants qui vont pouvoir donner droit à 80 ou 84% des salaires aux parents qui vont les conserver parce que l'école sera fermée. Enfin, on a quand même une prise en compte, une prise en charge de la dépense sociale par l'État qui est quand même exceptionnelle. Disons comparé à d'autres pays. Comparé à d'autres pays. Je ne suis pas spécialiste toujours des autres pays, mais par rapport à ce que je sais, il y a eu une grande action de l'État sur la réponse sociale à la crise économique. Comment, dans l'avenir, on pourra répondre à l'autre aspect qui est l'endettement du pays, nécessairement, et puis le risque que les emprunts ne soient pas remboursés, et alors qu'ils sont garantis par l'État, il y a devant nous une inquiétude en termes de gestion de la dépense publique et de l'endettement public. Alors justement, c'était ma question suivante. Comment sortir de cette situation de crise économique ? Alors ça, très franchement, si j'avais la réponse à cela, je serai président de la République. Et je pense que... Par contre, j'ai quelques idées. La première idée, c'est, je pense, que les pouvoirs publics ne vont pas faire d'augmentation d'impôts, contrairement aux craintes qu'on peut avoir, au moins pendant les deux années qui viennent. Pour des raisons quasi objectives, d'une part politiquement ce serait une catastrophe, et d'autre part, ça ne servait à rien de relancer l'économie pour reprendre un impôt. Donc je ne pense pas qu'il y ait par l'impôt... Quand on a un tel endettement, on ne peut que résorber l'endettement que par la croissance. Alors comment assurer la croissance ? Je n'ai pas trop de trucs. Alors le grand plan, le plan de 100 milliards, oui. Bah, il devrait permettre une relance économique qui permettrait peut-être de rembourser. J'attends de voir. Pourquoi ? Parce que les grands plans n'ont pas toujours apporté les réponses qu'on attendait. Pour des raisons assez évidentes, c'est qu'il y a une sorte de bureaucratie dans les pays, d'ailleurs à juste titre. Certains, il faut respecter l'environnement, respecter les normes, respecter. On respecte tellement de choses qu'on commence à dépenser le premier euro un an après qu'on aurait dû le faire. Donc c'est une des questions, à mon avis, importantes, c'est la réponse immédiate à la crise. Comment utiliser très rapidement les 100 milliards. Si ça se fait correctement, peut-être c'est la réponse. S'il faut attendre 2 ans pour les dépenser, là, évidemment, on aura quelques soucis. Il faut qu'il y ait des réponses rapides pour éviter un effondrement. Voilà, il faut, évidemment, si c'est par la relance économique qu'il faut redresser les finances publiques et redresser la situation économique, il faut que ce soit une dépense publique immédiate, pas dans 2 ans. Disons-le, les experts comptables ont été sollicités
comme peu de professions l'ont été, je le dis parce que je l'ai vu, je partage mon bureau avec une expert comptable, j'ai vu à quel point les clients étaient en permanence au téléphone pour avoir tel prêt, pour avoir telle situation, tel chômage partiel, etc. C'est un travail de bénédictin, d'assistante sociale, quelque part, de l'entreprise, et il n'y a pas de profession qui le fait de cette manière. Merci Jean-Pierre Cossin de votre présence ici sur ce plateau de TV Expert. On vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup.